m'appelle Louis Lamour. J'ai écrit sur les saquettes pendant 20 ans. J'ai vécu parmi eux plus longtemps encore. Et voici leur histoire. On raconte que, quand Adam et Ève ont été chassés du paradis par le Seigneur, ils ont franchi les Alleghany et ils ont découvert un autre paradis. Ils l'ont appelé le Tennessee. Ensuite, c'est devenu le fief des Chickasaw, puis des Cherokees, et enfin des Blancs comme Davy Crockett, Andy Jackson, et un immigrant gallois appelé Sackett. C'est dans le Tennessee que Sackett a élevé ses trois fils, Tell, Orrin et Tiller. Sackett savait pousser les chevaux, lever le coude, et ses fils lui ressemblent. Aujourd'hui. Tu as tué mon frère Jeb. Je viens à régler nos comptes. Jeb avait une arme, Higgins. C'est lui qui a tiré le premier. Je me contrefiche de ce qui s'est passé. Moi, je ne vois qu'une chose. Je suis un Higgins et tu es un Sackett. Je ne porte pas d'armes. Oh, je sais. Marie, allez, debout. Rentre à l'intérieur. Rentre à l'intérieur. Non, Tiller. Non, je t'en prie, non. Non, non. Oh. Ah, tu tombes bien, toi. Et si on jouait franc jeu, hein? Ah, ça, c'est pas croyable. Je vais me faire deux saquettes en une journée. Place, je prendrai Châtaigne. C'est le meilleur cheval de la région. Quand tu seras dans l'Ouest, ne m'oublie pas. Il faudra m'écrire une lettre. Promis. Rappelle-toi bien ce que disait ton père. Il faut toujours être du bon côté de la loi, jamais de l'autre. Tu as entendu? Oui, je me rappellerai. Attends maintenant. Attends!
traversant la vallée des ténèbres, je n'ai pas croisé le diable, car tu étais à mes côtés. Quand je venais à douter, il me suffisait de penser à toi. Et je repartais de pas plus assuré vers l'ennemi qui me guettait. Recueillez-vous avec moi, mes frères. Est-ce que tu portes une arme? Viens, maman, je te reconduis chez nous. Et puis après, tu iras tuer un autre Higgins. Ce qu'il en reste, en tout cas. Ils sont bien trop nombreux. Puis on dit partout que tu ne peux te défendre ici. Ton frère est parti, tu es seul. Je ne veux pas que le pasteur se recueille sur ta tombe. Allons, viens, on rentre. Seigneur, accepte-la à tes côtés pour la vie éternelle. Amen. Sœur Sarah, Mère Jégis, Sœur Émilie, le Seigneur vous bénisse. Marie est auprès de lui, je peux vous l'assurer. Allez donc en paix. Dans l'ouest. Maman, j'ai pas le droit de laisser passer ça. Il faut faire ce que ta mère te dit. L'homme qui a tué ta femme est mort et enterré. Ton frère s'est occupé de lui, alors pour l'instant, vous êtes tous à égalité. Mais il faut que tu partes. Et que tu partes tout de suite. Écoute ce que ta mère te dit. Quand vous vous serez installé dans l'ouest, ton frère et toi, vous me ferez venir. Baisse-toi. Un petit poker? D'accord. Ouvert, hauteur du pot. Suivi. D'accord, suivi. Combien de cartes? Deux pour moi.
monsieur, nous ne sommes que des mineurs qui gagnons tout juste notre vie. Inutile d'utiliser les trucs des joueurs des bateaux à roues du Mississippi, nous on connaît. Vous voulez vous expliquer? Je dis que vous êtes un requin. Remarquez, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maladroit. Est-ce que vous m'accusez de tricher? Ça me paraît évident. Vous feriez bien de retirer cette remarque. Excusez-moi, mais vous avez déjà commis une erreur. N'en commettez pas une autre. Retirez cette remarque. Je regrette. De celui qui l'a tué. Ah, c'est un cas de légitime défense. Bigelow a dégainé le premier. Sackett l'a surpris alors qu'il trichait aux cartes. La famille Bigelow sera peut-être pas de cet avis. Je veillerai à ce qu'il soit enterré décemment. Oh, si j'étais vous, je changerais d'air. Les frères Bigelow doivent arriver avant la fin de la journée pour une partie à Marfa. Ou vous filez tout de suite, ou vous commencez à sticker votre revolver. J'ai pas encore reçu ma paye. À propos, le cheval est propriété de la compagnie maintenant. Un calcul rapide. Avec la selle, ça fait bien 5 dollars. On ne cherche pas les problèmes. C'est pas mon genre. Je voulais seulement faire une partie tranquille. Oui, je comprends. Bon, amenez-vous par ici, c'est l'heure de la paye. Que deux d'entre vous prennent et enterrent le jeune Bigelow. Tu veux quelque chose? Vous avez besoin de bras, je suis preneur. Pour les bras, je peux pas répondre. J'ai jamais envoyé un homme sans lui avoir donné de quoi manger. Tu peux descendre. Je préférerais travailler. Si tu es engagé, tu travailleras. Si on engage des fermiers, c'est le bouquet. C'est pas ton problème. Ce type est un invité pour l'instant. Je m'appelle Belden. Et lui, c'est Carpentier. Salut. Je m'appelle Tyler Sackett. Je viens du Tennessee. Et tu vas où? Dans les Rocheuses. Je cherche du travail. Je crois qu'on en a notre compte de fermiers depuis le départ. On a eu quelques problèmes avec les fermiers il y a 2 mois. Les fermiers n'aimaient pas trop le bétail. On a perdu un homme. Il a été massacré par un de ces pauvres demeurés. Et ce serait peut-être l'occasion de le venger. Si tu te crois capable de tuer un pauvre demeuré, il faut pas te gêner. Garnet, je te paye pour travailler. Et les autres aussi, allez au travail. Si on engage ce pecno, je me mêlerai peut-être de ce qui me regarde pas. Gardez, ça suffit!
Tu viens de te faire un ennemi, mon grand. T'as toute la tête du fermier, ça, y a pas de problème. Entièrement d'accord. Tu m'as l'air chatouilleux. Ouais, entièrement d'accord. Lui, c'est Tom Sandem, en bras droit. C'est lui qui engage ou qui renvoie. Je cherche du travail. Déjà conduit du bétail? Non, mais tout s'apprend. Déjà travaillé sur une selle du matin au soir ou veillé une nuit à guetter une vache? Jamais travaillé toute une journée de la poussière plein la bouche? Non, non. Je t'engage. Ouais. Comme j'ai dit, c'est lui mon bras droit. J'ai acheté le troupeau, c'est tout. Finis donc de manger. J'ai l'impression que tu t'es trouvé du travail. Emplissez les gourdes, emplissez les verres, car le chemin de la liberté est long et parsemé de cailloux et de poussière. De Tennyson. C'est surprenant, non? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est joliment bien tourné. Et il a cité quelqu'un, je suppose? Oui, il connaît tout un tas de citations. Il connaît bien le passé, l'histoire ancienne, la Grèce en particulier. Mais il manie aussi bien les armes que les mots. Avec cette instruction, pourquoi il conduit du bétail? Il doit avoir un secret, comme un peu tous ceux qui vivent par ici. Tu ferais bien de reprendre ta place. Commençons à manquer d'eau et les bêtes ont soif. On va pousser jusque là-haut. Et tu essaieras d'en trouver. Demandons à Cap, il connaît bien la région. Oui, ça je sais, merci. Et si tu apprenais à la connaître? Très bien. T'es avec le troupeau, là, derrière? Oui. Vous nous embarquez pas mal de bêtes. Vous engraissez les vôtres avec notre herbe, alors on a décidé de réagir. D'après vous, on passe sur vos terres. Mais oui, c'est exactement ça. Alors, si on peut prendre, mettons, 50 bêtes, on ferme les yeux. C'est bizarre. On m'avait dit que cette terre appartenait à l'État. 50 bêtes. Faut pas y compter. Je te signale que tu es seul contre 7. Et tes petits copains sont à plus d'un kilomètre. Autant te dire que tu vas mourir. Oui, mais après vous. Au premier coup de feu, je vous fais un trou dans la tête. Un gros trou. Ah,
T'as pas eu tort de passer par là. J'ai promis à maman d'être prudent. Désolé, mais c'est pas l'impression que tu donnes. 7 contre 1, c'est plutôt coton. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On a croisé des types qui filaient comme s'ils avaient des Indiens à leur trousse. Ils ont surgi de je ne sais où. Ils voulaient 50 bêtes où ils chargeaient. Des rançonneurs? Et manifestement. J'aurais été piégé sans l'arrivée d'Orine. Mais c'est lui qui a tiré. Orine? Oui, Orine Sackett, mon frère. Vous chercheriez pas du boulot par hasard? Si, pourquoi? Cherchez plus! Y a pas d'autres frères qui traîneraient dans la région? Eh ben, il y a peut-être Tel, c'est l'aîné. Orine, tu as vu Tel? Non. Je sais pas où il est. Je sais même pas s'il est vivant. Excuse-moi de m'être présenté comme ça, vieux. Mais il y a longtemps que je n'ai pas vu de blanc. Le café est vraiment bon. Bon, mais content de le partager. Toi, tu n'es pas trappeur. Tu cherches de l'or. De l'or? Il y a une légende dans la région. Les Espagnols auraient caché de l'or par ici. Ça remonterait à plus de 300 ans. Non. Mon père disait que l'or et les problèmes allaient toujours de pair. Il était pas idiot. L'or est difficile à trouver. Ils ont été nombreux à le chercher? Très peu. Et puis en général, ils sont jamais revenus. Tu sais pourquoi? Ben, on raconte qu'un fantôme protège cet or. J'ai du mal à le croire. Ah bon? Ceux qui se sont aventurés dans ces montagnes étaient pas futés, ils se sont fait coincer par la neige, ils sont morts de faim. Et il y a les Indiens. Les crocs? Ouais. Ils pullulent. J'ai enterré Marie-Elisabeth. J'ai compris que plus rien me retenait au Tennessee. Elle était morte, je pouvais pas rester. Et pourtant, toute ta vie était là-bas. Les gars parlaient de t'élire shérif. Et on t'aurait très vite proposé de devenir maire de la ville. Là-bas, tout le monde te connaissait et te respectait. Ton avenir t'attend au pays.
Il n'est pas là avec les vaches. Hein? Mais dans cet avenir, il doit y avoir une femme et des enfants. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et maman avait peur que je me retrouve devant les Higgins un jour ou l'autre. J'ai des regrets. J'aime pas la savoir toute seule. On la fera venir ici dès qu'on pourra. Alors on a maintenant deux péquenots qui empestent l'atmosphère. On se portera tous mieux quand vous aurez dégagé. Cherchez des ennuis? Non. J'ai l'impression que vous allez en avoir. Ah, ça, c'est ce que vous dites. Vous feriez mieux de retourner à votre place. Il a déterré la hache de guerre dès qu'il m'a vu. C'est quand même pas un Higgins, non? Non, je ne crois pas. Vous savez ce que disait mon père? Non, mais je vais le savoir. Il disait, c'est toujours celui qui fait la tête la plus triste qui se retrouve le premier à l'eau. Mon père avait bien raison. Ce Thorin est quelqu'un de très bien. Mais de qui est-ce qu'il tient autant de charme? Notre père, en écoutant une pompe à eau, se prenait pour un moulin à vent. Et Thorin est pareil. Oui, tout le monde ici l'aime bien, en tout cas. Hein? Sauf Carnet. Il n'arrête pas de nous provoquer, tous les deux. Oui, mais retenez-vous au moins jusqu'à Bilaine, alors, parce que si vous lui répondez, il y aura forcément quelqu'un de tué. J'ai besoin de tous les hommes que j'ai engagés. Même de Carnet. On essaiera. Ça alors, le trappeur avait raison.
de l'argent à gagner à l'ouest du Kansas et du Colorado. Il y a beaucoup de bétail sauvage en liberté. Il n'appartient à personne. Il se promène là, dans ces plaines. Et d'où vient-il? C'est du bétail qui s'est échappé de grands troupeaux ou bien de caravanes. Et il reste là à vivre et à se reproduire bien tranquille dans ces grandes plaines. Qu'est-ce qu'on fait des bêtes capturées? On les revend facilement aux éleveurs. Ce sont des bêtes saines. Elles sont très recherchées. Et elles peuvent donner des troupeaux importants. Un simple petit lot de 100 bêtes serait déjà vraiment très payant. Oui, et ça irait vite. Oui. Oui, Tom est d'accord. Et nous espérons, Corinne et toi, vous le serez. À nous quatre, on pourrait prendre un joli bénéfice. Oui, oui, je suis pour. Corinne décidera lui-même de ce qu'il fera. Quand vous en aurez discuté, dites-nous votre réponse. Attendez pour y aller, vous aussi. Vous n'allez pas rester ici, non? Ah, ça sûrement pas. On vous a suffisamment vu. J'aurais préféré que tu n'envoies pas tous les jeunes en avant. Pourquoi? Ah, il va rien nous rester à nous, les ancêtres. Ah, vilaine. Je crois que si tu t'arrêtes ici pour aller lui parler, ce sera difficile de repartir. Les cheveux blonds, mais regarde ça. Un champ de blé sous un ciel ensoleillé. C'est mieux encore. De l'or. Tiens, rends-moi un service, tu veux? Tu t'occupes de mon cheval. Je te rappelle qu'il faut rentrer s'occuper des bêtes avant la nuit. Bonjour, mademoiselle. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous aborder aussi cavalièrement, mais je dois dire qu'après une aussi longue randonnée que la nôtre, quand on arrive ici et que l'on voit quelqu'un comme vous, on croit rêver. Vous êtes si réel. En vous voyant, j'ai cru d'abord être victime du soleil, mais quand j'ai été devant vous, j'ai compris que c'est vous qui aviez été touché par le soleil. Effleuré, pour être plus juste. Et il adorait ses jolis cheveux. Oh, mon Dieu, et en plus, elle a des yeux bleus. Je m'étais bien dit qu'un joli sourire m'accueillerait, peut-être. Je suis Orine Sackett. Je peux connaître votre nom? Laura. Laura Pritt. Jeune homme, peut-être croyez-vous que Laura est du genre à fréquenter les étrangers.
Non, monsieur. Je crois tout le contraire. Et si, effectivement, je suis un étranger, ne voyez surtout pas d'offense dans ma façon de l'aborder. C'est qu'une telle beauté attire naturellement les compliments. Madame. Nous nous reverrons peut-être, Laura Pritz. Dépêche-toi, Laura. Au revoir, monsieur. Quand à Purgatory, monsieur Sander? Appelez-moi Tom, maintenant, et on se tutoie. Ça sera plus commode pour nous tous. Aussitôt que monsieur Belden aura obtenu un prix intéressant et payé tout le monde, nous pourrons partir. Je suppose que ce sera très fatigant physiquement, non? Est-ce que le vieux cap le supportera? Le vieux cap? Ne vous fiez pas à ses cheveux gris. Croyez-moi, nous aurons tous les trois du mal pour le suivre. Ouais. Et Cap connaît très bien ce coin-là. Il n'y a pas tellement longtemps, pas un blanc à part lui n'avait le courage d'y aller. Il a fait du troc avec les Arapahos, les Kiowas, il a vécu avec les Cheyennes. Oui, oh, je sais, il n'est pas bavard, mais quand il dit une chose, mieux vaut l'écouter parce qu'elle est pleine de bon sens. Tu viens te laver? Non, d'abord, je me nettoie de l'intérieur. Oui, et je crois que M. Belden vient de parler à un type qui est prêt à tout lui acheter. Très bien. Mais il a dit qu'il se méfiait et qu'il voulait aller voir les bêtes. Bon, alors allons les lui montrer. Oui. Venez, les petits, déployez-vous aussi l'intérieur. Bien. Bilaine. Bilaine. Ouais. Et tu as l'air tout excité. Et comment? Bilaine. C'est à cause de cette fille tout à l'heure, la blonde? Ouais. Fou. Ce soir? J'espère. Ouais. Rien que ça. Hein? Rien que ça. Henri, où est-ce que tu étais passé pendant tout ce temps? Tu faisais le joli cœur avec ta Laura. De l'or. C'est mieux que de l'or. Non, je te connais. Tu convaincrais un écureuil de t'offrir ses noisettes. Tu as réussi à éviter Harry Tierney? Hein, j'ai eu du mal. Tu te rappelles bien ce que maman disait pour rester loin des problèmes? Oui. Et toi, tu te rappelles ce que papa disait à propos des femmes? Oui. J'espère que plus tard, on va pas le regretter. Hé, hey, vous deux, vous voulez bien toucher votre paye? Tu parles? Monsieur Belden a réussi à vendre à un bon prix. Et il paye tous les gars juste en face du Grand Corral. Yeah! Dépêchez-vous! Cap, c'est... Allez, donne. Ah.
joli, hein? Ah oui, je sais. Tu es encore trop jeune pour voir ces choses-là. Il passe ce que notre père disait. Il n'existe qu'une chose plus dangereuse qu'un serpent à sonnette. Un joli petit minois. Donde son estes gentes? De Santa Fe, Nuevo México. Andan lejos de su casa. Tan pronto el doctor examine a don Luis. Es muy importante que el doctor examine a don Luis. El viejo ha tenido... Don Luis está enfermo, pero es un hombre muy orgulloso. Importante. Muy importante. Es el último de los hacendados grandes. Buena suerte. Muchas gracias. Tu leur as fait un coup de politesse ou t'as une idée en tête? Ils se dirigent vers Santa Fe. Le vieil homme qu'ils escortent a beaucoup d'influence là-bas. Il est venu ici consulter son docteur. Ah. Oui, la région est très dangereuse entre ici et Santa Fe. Et étant donné que nous dirigeons aussi dans cette direction, tu crois qu'on pourrait faire le voyage en leur compagnie? Tu lis dans mes pensées. Tiller, tu devrais aller voir le vieil homme et lui présenter notre proposition. Ben oui, d'accord, oui, j'irai lui parler ce soir. Et qu'ils aient au moins le temps de s'installer. Tiens, fiston, occupe-toi des chevaux, alors. Bon, allez, tout à l'heure. Tu sais où nous trouver, oui. Carlos Enrique, el americano. J'ai une proposition à faire et je voudrais parler un instant. Juan, déjalo que pase. C'est bon, allez, chien. À Santa Fe, et mon frère et mes amis, enfin, tous les quatre, nous allons à l'ouest. C'est une région très dangereuse à cause des Indiens et du reste. Alors, si vous acceptiez notre compagnie, ça vous ferait quatre fusils de plus en cas de problème. Et ça serait beaucoup moins dangereux aussi pour nous quatre. Abuelito, si no quieres que ellos vengan con nosotros, les digo que es imposible. Je regrette. Don Luis dit que c'est vraiment impossible. Il n'a rien dit du tout. Bon. Bonsoir. Chenam. Il y a un homme d'ici qui s'appelle Jonathan Pritz. Il a fait le serment de nous chasser de Santa Fe, moi et ceux de mon peuple. Et tous les Américains, ce qu'il nous dit, partagent ses sentiments. Alors, vous comprenez. Je m'excuse. Oui. Nous ne faisons confiance à personne. Si vous changez d'avis, je m'appelle Tyler Sackett. Mes amis et moi, nous avons mené un troupeau jusqu'ici. Adressez-vous à Monsieur Belden, si ça vous intéresse.
Garçon, conduisez ma fille jusqu'à ma table. J'ai deux mots à vous dire, Don Luis. Vous êtes très malade, Seigneur. Et je crois que la meilleure chose pour votre santé, c'est de ne pas retourner à Santa Fe, mais de rester ici. Comprendez? Et vous allez repartir à Santa Fe, je suppose. Oui, bien sûr. Dans ce cas, nous devons y repartir, nous aussi. Je sais que ce n'est pas facile. Quand une ville comme Santa Fe vous a appartenu tellement longtemps, on s'y accroche. Santa Fe ne m'appartient pas. Elle appartient à mon peuple, figurez-vous. Buenas noches, señor. Mes hommages, señorita. Thank you.
l'impression que Carnet vient finalement te défier. Oui, il a l'air bien décidé. Le travail est terminé. Tu peux le tuer maintenant. Killer. Ah oui, laisse. Ça vaut mieux, crois-moi. Ne t'inquiète pas pour moi. Cap, Carnet n'a aucune chance. C'est ce que nous allons voir. C'est l'heure pour toi, fermier. Tu es fichu si tu dégaines. Tu n'as aucune chance. Alors retourne plutôt boire au saloon. Trop tard. C'est aller trop loin. Non, ce n'est jamais trop tard. Quand on peut éviter à quelqu'un de mourir. Allez, retourne au saloon. Sackett. Tourne-toi, espèce de pecno, tu vas... Déboucle ton ceinturon. Dépêche-toi. Tourne-toi et tu verras un abreuvoir devant toi. Tu vas vers lui très lentement. Je crois que nous aurons beau aller n'importe où, les ennuis nous suivront toujours. Alors, tu nous accompagnes? Je dois y réfléchir.
Ah, elle est belle, celle-là. Tu as l'air d'être seul, cow-boy. Oui. Et enfin, c'est-à-dire... Ah, dealer, écoute-la, elle est gentille. Il est plutôt timide, mais si tu insistes, il t'écoutera. Je m'appelle Nevada. Et je suis seule, moi aussi, ce soir. Et ce n'est pas drôle d'être seule. Mais tous les deux ensemble, on s'amuserait bien. Ah, pas la peine d'insister, ma jolie. Je crois qu'il est encore trop jeune pour... Prends-toi plutôt quelqu'un qui t'appréciera, comme moi, par exemple, hein. Mais tu m'avais dit que tu cherchais une riche veuve un peu trop esselée. Mira, ahora sale el señor Tiller. Voy a buscarlo. Mucho cuidado. Sí. Señor Saquet, personne voudrait vous parler. Don Luis? Non, sa petite fille. S'il vous plaît, señor. Mon grand-père a changé d'avis à votre sujet. Et il accepte que vous nous accompagniez. Il dit que vous avez été parfait, très courageux, très maître de vous. Vous auriez pu tuer cet homme tout à l'heure. C'était la solution de facilité. En la refoussant, vous avez été très courageux. Nous partirons aux aurores. Ce regard rêveur. Ouais. Ouais, elle est belle. Hein. Et puis, c'est une dame. Vous passez votre temps à vous chercher des yeux, mais vous risquez de tout rater. Ouais. Toi, tu as la langue nouée. Et elle. Elle est paralysée par les conventions. Oui, mais je ne suis rien du tout. Un jeune fermier. Et c'est toi qui l'as dit, c'est une dame. Qu'est-ce que tu veux que je puisse espérer? Bon, je te parais bien qu'elle s'en fiche de ce que tu es. J'ai observé sa façon de te regarder quand tu chevauchais près d'elle et de te chercher dès que tu t'éloignais trop longtemps. L'occasion est là. Tu n'as pas le droit de la laisser passer. Tu n'en auras pas deux aussi belles dans ta vie. Oh non. Allez, bonne nuit.
Es todo el lado que le podemos dar. Muy bien. Man, ve si lo puedes acostar. Como usted diga, señorita. Je sais que ce n'est pas à cause de vous qu'il ne me quitte pas un instant. Vous savez la raison? C'est à cause de votre grand-père. Venez. Nous traversons une région dangereuse. Et il est très inquiet pour vous. Vous êtes tout ce qui lui reste. J'adore mon grand-père. Mais il me parle comme si j'avais encore 10 ans. Je suis une femme maintenant. Oui, vous êtes une femme. J'ai entendu les vaqueros de l'escorte. Ils parlaient d'Indiens. Ils refusent de dire s'il y a vraiment du danger. Vous ne voulez pas me répondre? C'est pire que ça encore, d'après Tom. Merci. Est-ce que vous allez à Santa Fe? Non, mademoiselle. Nous allons chasser dans la région de Purgatory. Mais je pense qu'après, nous irons jusque là-bas, Santa Fe. J'espère, oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Tuttle, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Hey. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Donnez-moi juste votre prix, monsieur. Sinon, j'irai voir ailleurs. Oh, d'accord. Bon. Attendez, oui, alors écoutez, je vous en donne 300 dollars. $500. Payez-lui $500. Signé ici.
bientôt. Cette moustache ne te va pas du tout. Ça risquerait de s'infecter. Et j'ai rasé gratis. Il a rudement forcé son cheval. Qu'est-ce qui se passe, fiston? J'arrive de Fort Dodge. Don Luis. Il y a des troubles à Santa Fe. Et on dit que des bagarres ont éclaté. Il y a eu des coups de feu aussi. Nous partons tout de suite. Ils auront besoin de nous. Les voitures resteront derrière. Tous les autres partent tout de suite. Donnez-moi un cheval. Alors je vais avec toi. Tout partira pas seul.
Vous venez avec nous? Désolé, seigneur, nous allons à Purgatory. Bonne chance. Buena suerte. Que le ciel vous bénisse. Gracias. Yo! Vous m'écrirez. C'est promis. Faites-le. Tom, on s'installe pas d'abord? Chaque chose en son temps. Avant tout, on va aller s'offrir à boire. On verra après. Ces petits ont encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Ça viendra sûrement. On raconte pourtant qu'il a tué deux types à une table de poker. Eh oui, c'est vrai. Boyd est aussi rapide à sortir son revolver que la lame qu'il a sur lui. Mais j'ai tout vu de mes yeux. Il lui a rasé la moustache avec son propre couteau, alors que tout le monde les observait. Quatre whisky. Et il s'est pas servi d'eau, ni de savon, ni de rien du tout. Oh, Boyd a dû souffrir. Mais je peux te dire une chose, c'est que ce fou de sa quête n'en a pas fini avec Will Boyd. Quel nom avez-vous dit? Will Boyd. Non, l'autre nom, un peu avant. Sackett. Tel Sackett? Oui, vous connaissez ce type? Un peu, oui. Il est encore en ville? Écoutez, il ne fait pas un geste sans que tout le monde le remarque. Je suppose qu'on l'apprendra vite quand il s'en ira. Ça veut dire qu'il doit sûrement être encore ici. Qu'est-ce que vous voulez? On cherche notre frère. Ah oui? On le croyait mort depuis longtemps. Je ne trouve pas qu'il est toujours aussi laid. Un peu plus laid. Je rêve. Rine. Non, c'est toi? Eh ben oui. Tu vois que tu es toujours aussi long à réagir? Il ne l'a jamais compris très vite. Et le petit, c'est Tiller? Salut, Tel. Ça faisait longtemps. Ça remonte à une dizaine d'années. Tu étais à peine haut comme ça. Ah, c'est pas croyable. Et regardez-le. Il se tient bien droit. C'est un homme. Ouais, et il sait se débrouiller seul. Ah oui? Comment va la mère? Elle va très bien, elle attend qu'on s'installe pour nous rejoindre. Tenez, ça s'arrose. J'espère que tu as de bonnes raisons de n'avoir jamais écrit, alors que tu es toujours vivant.
J'ai beaucoup voyagé après la guerre. Et si j'ai pas écrit, c'est que je sais pas. Horrible. Mais qu'est-ce que vous venez faire à Purgatory? C'est pas un endroit pour vous. Le Yama m'avait dit qu'il existait un autre saquette. Je trouvais pourtant que deux, c'était déjà beaucoup. Enfin, vous êtes le bienvenu. Si ça vous tente, nous serons heureux de vous accueillir. Cap commence à se faire un peu vieux. Oh, toi, Chavin, ne t'inquiète pas de l'âge de Cap. Il est encore capable de t'apprendre bien des choses. Alors? Non, non, merci. Je préfère repartir dans les montagnes. Ah, vous allez devenir riche. Oh, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais ça sera peut-être la chance de ma vie. Vous pouvez m'accompagner si vous le voulez. Tous les quatre? Je ne veux pas tout garder. C'est plutôt rare. Déjà, rien que pour ça, vous êtes différent de la plupart des hommes de ce pays. Alors, qu'en pensez-vous? Tu te souviens de ce que le vieux nous disait? L'or est la pire des maladies. Pour des années, pour en guérir. Et en plus, tu risques d'être coincé par la neige. Oui, c'est une possibilité. Eh ben moi, je vais investir dans les vaches. Je remplis les poches et je file à Santa Fe. Il y a quelqu'un qui t'attend, peut-être. Et toi, Tiller? Moi aussi, on m'attend à Santa Fe. Ça ne doit pas être mal pour que vous refusiez une petite fortune. Moi, j'ai cherché de l'or autrefois. Moi aussi. Mais je n'ai jamais eu ce qu'on appelle la fièvre. Cet homme t'a peut-être raison. Je commence à me faire un peu vieux pour chasser le bétail sauvage. On ne sait jamais si on ne va pas prendre un coup de corne. Ou si votre cheval ne va pas trébucher et vous laisser par terre avec une jambe cassée. Je connais bien ces montagnes. T'es prêt à faire part à deux? Nous partons demain au lever du soleil. Je serai réveillé. Bon. Bon. À maman que j'ai toujours mes deux bras et mes deux jambes. Ah, t'as peut-être toujours pas appris à écrire. Non. On ferait mieux de s'y mettre. Les parents sont toujours heureux de recevoir une lettre de leurs enfants. J'apprendrai, j'écrirai. Je compte sur toi. Eh ben, au revoir, grand-père. Dis-moi plutôt adieu. Tu ne me reverras plus jamais. Je vais m'installer, me trouver une chouco et profiter de la vie. Tu m'as déjà dit ça. Bonne chance. Eh, merci. Un bon conseil, ne garde pas toute ta science rien que pour toi, fais-en profiter un peu les autres. J'essaierai. Bonne chance. Merci. Et envoyez-nous des pépites! Et ensuite, je lui ai dit d'aller jusqu'au bout de la rue. Ça, ça le dérouillerait. Et on l'a plus en vue. Et voilà. Excusez-moi. Oui? J'ai partagé un feu avec un type dans le Grand Canyon cette nuit. Hein?
Il m'a dit que quelqu'un avait trouvé un gros filon par ici. Ce quelqu'un, ce serait Tel Sackett. C'est vrai. Mais qui êtes-vous? Ira Bigelow. Parlez-moi de Sackett. Eh bien, entre nous, je vous assure qu'il n'a pas été très bavard. À sa place, moi, je serais comme lui. Je ne m'intéresse pas à son or. Et ce Sackett, il est dans le coin? Non, il est parti. Si l'or vous intéresse pas, qu'est-ce que vous voulez? Il a tué un de mes frères il y a quelques semaines, là-bas, au Texas. Alors je vais le tuer. Nous allons bien tous les trois. Et nous espérons que tu viendras bientôt. Je t'embrasse, Aurine. Tiens. Ouais. Oui, oh, c'est pas mal. Oh, évidemment, ça pourrait être mieux. C'est pas mal. Le grand jour, c'est quand on se décide à écrire à sa fiancée. Je vais vous montrer quelque chose. Pas la peine de vous le lire. Il fait très sérieux. Et de quoi il parle? C'est de Blackstone. Ça parle de la loi et de la démocratie. L'ensemble devant protéger ses composants et tous les composants devant prêter serment d'allégeance à la volonté de l'ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que majorité fait loi, mais elle doit protéger les droits et les individus en même temps. Le moyen le plus rapide d'apprendre à lire pour vous, c'est de vous plonger dans ce bouquin. Allez-y, accrochez-vous, essayez de lire quelque chose. Vous lirez ça. Et tous les soirs, nous en reparlerons tous les trois. D'accord? Et qu'est-ce que tu fais avec ce bouquin? J'ai été avocat dans le temps. Très longtemps maintenant. Tom? Oui. La démocratie. Elle s'applique aussi ici? Oui, dès que nous sommes plus de deux, c'est. C'est la majorité qui fait loi. Elisabeth. Oui. Ça me paraît une bonne ville-étape. Tout le monde ici est plus ou moins recherché. Oui. La brave Rosie, comme les autres. Qui est Rosie? Viens, je vais te présenter. Tu sais, il y a eu une bonne dizaine de types tués chez elle, rien que pendant mon dernier séjour. Mais c'est la meilleure nourriture de toute la région. Viens, tu vas enfin connaître Rosie. Or they say you are taking the sunshine. Has brightened our pathway a while. So come sit by my side. Capranti! C'est toi! Salut, Rosie! Ah, ça, c'est pas croyable! Ah, t'as oublié quand même! Hein? Ah, cela dit, il y a longtemps que tu m'as fait le plaisir de passer me voir. Ah, t'as pas changé. Allez, viens t'installer par ici. Assieds-toi, que je te regarde bien. Tu es en fuite ou quoi? Ah non, tu cherches encore de l'or. Je cherche toujours de l'or. J'aimerais bien en trouver avant de prendre ma retraite. Mais je te présente mon associé, Tel Sackett. Pauvre associé. Je m'appelle Rosie McGee, Tel Sackett. Enchantée, madame.
cried so when I left her. It like to broke her heart. And if I ever find her, we never. Faut pas faire attention à ce petit genou. Il se fait appeler Keen Newton. Et il est arrivé dans cette ville il y a 3 jours. Et il passe son temps à dire qu'il sait manier un revolver. Et il a très envie de le prouver. Tout ce qu'il attend, c'est un prétexte. Qu'est-ce que tu veux que je te serve? Tu as quelque chose qui puisse nous regonfler après 2 jours sur un cheval? Oui, j'ai les 2 plus beaux steaks de toute la région. Arrête de parler, file à la cuisine. Tu n'as pas changé, toi non plus. Qu'est-ce que vous en dites? Entre nous, il est assez séduisant. Enfin. Alors, c'est elle, Rosie. C'est elle, Rosie. Tu as dit qu'elle était recherchée. Elle a tué un homme. Oh, j'espère que ce n'était pas avec un steak empoisonné. T'es pas un peu trop vieux pour te traîner à cette altitude? L'hiver est rude dans ces montagnes. Et l'air est plutôt rare. Moi, je te conseillerais plutôt de ménager ton râtelier. Et de retourner t'installer dans un endroit bien chaud. Tu pourrais le perdre en éternuant. T'es sourd comme un pot, en plus. Hé, pauvre vieux débris ambulant! T'entends mieux comme ça? À ta place, je ne le provoquerai pas, petit. Toutes ces rides sont autant de victoires. Il a combattu les Indiens, les grizzlies. Et il a descendu des dizaines de petits rigolos comme toi, qui se croyaient plus malins que les autres. Je ne sais vraiment pas si tu arrives à te supporter toi-même, petit. Mais tu commences sérieusement à nous ennuyer. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je tue la vermine. C'est de moi que tu parles? Oui, tu t'es reconnu. Alors tais-toi et lève-toi. Tu entends ce que je te dis? Si je t'écoute, je devrais me servir de l'arme que j'ai posée là. Et ça veut dire que je te tuerai. Et c'est très désagréable de tuer un homme pendant qu'on mange. Il te dit la vérité, petit. Tu ne seras pas le premier qui l'abattra. Tu n'as aucune chance de réussir à dégainer et à tirer avant qu'il t'ait tué. Tu ferais mieux de sortir
et de prendre l'air. Sors tout de suite prendre l'air, tu m'entends? Fait perdre la face devant les autres. Oui. On ne te pardonnera jamais ça. Mieux vaut perdre la face que la vie. Mais...